Bien le bonjour à toutes mes histo-curieuses et à tous mes histo-curieux. Pour ce deuxième épisode, nous allons partir à la découverte de Pompée et son histoire. Partons à travers cette épopée et plongeons ensemble dans ce documentaire. Pompée est située dans la vallée de la Moselle, à une distance de 10 km au nord de Nancy. Elle comprend deux parties. L'ancien village datant d'environ l'an 896. Le nom commun de cette ville en cette année était Pompagis Venea, qui a su conserver dans les archives de la mairie. En l'an 965, ce nom était devenu Pompanium, qui a alors changé trois fois de nom dans l'époque, jusqu'à l'année 1789, qui arriva le nom de Pompée. Le village a su garder quelques parties de son patrimoine, nous montre encore que ses monuments traversent l'histoire. Et le nouveau quartier, composé du faubourg et des habitations des ouvriers, avec leurs longues cheminées et leurs épaisses fumées, les hauts fourneaux de la famille Faux de Dupont sont les symboles de l'usine. Leur rôle premier était de produire de la fonte à partir de minerais de fer. Construit en 1872, les hauts fourneaux étaient à la pointe de la technologie du 19e siècle. L'usine comptait dans les 1900 postes d'ouvriers et avait construit des habitations spécialement pour les travailleurs. En 1887, Gustave Eiffel a besoin de plus de 7000 tonnes de fer pour réaliser la pièce maîtresse de l'exposition universelle de 1889. Et c'est alors qu'il fait un appel d'offres aux forges Foulde Dupont. Le minerai fut directement extrait des mines locales. Exactement 18 038 pièces de fer ont été produites par les forges Foulde Dupont pour la tour Eiffel. L'usine fermera définitivement ses portes en 1986. On peut encore apercevoir ces vestiges de ce siècle à la Férue des Sciences à Jarville-la-Malgrange et ces magnifiques colosses de fonte fiers d'avoir existé le long des boucles de la Moselle. Il y avait également le château de l'Avant-Garde qui était le siège d'une baronnerie. Mais on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Non loin de chez toi. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche de notification, liker et n'hésitez pas à partager.